Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4, donc là on va faire le chapitre final, le 6-1. Donc c'est parti, on charge les données, comme d'habitude, parce que sinon on peut pas jouer. Enfin, ouais non on peut pas jouer. Bon alors du coup, attends, on examine hein, quand même. Ouf, Dieu merci, il a été retiré. Oh là 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 là, oh, attention hein. Ok, arrêtons de dire de la merde. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me servira plus à rien. Eh bah détruis-le alors, vas-y, pète-lui la gueule. Bon, allez, c'est parti, on va faire le dernier chapitre. Donc là, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, mais alors même pas du tout. Et il est très très court, donc vous attendez pas à ce que ça dure 2 ans. Hein, ça va durer genre une vingtaine de minutes, grand max. À part si je suis nul, effectivement, mais normalement ça devrait aller. Ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Donc hop, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. On fait ça. Hop. Alors, je sais même pas si j'ai récupéré le... Attends, on va mettre ça où? Ok, je sais, on va y mettre. Hop. Ouais, bon, pourquoi pas. Allez, mais... Merci. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ok, alors juste, est-ce que j'ai récupéré le truc? Fichier. Ah, je l'ai même pas récupéré, vous êtes sérieux? Ok, bah désolé, j'ai oublié de récupérer un truc. Et ouais, non mais bon, c'est un peu con. Je comprends même pas pourquoi je l'ai oublié. Voilà. Bah c'est bien mieux comme ça. Enfin bon, sans my steak. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Voilà. Ah ouais, première fois que je sauvegarde comme ça. Ouais, quoique. Ouais, à la limite, on s'en va les steaks. Voilà, donc du coup. On sauvegarde ici. Au cas où. Voilà, parce que. On va tester un truc. Ok, alors, du coup. Optimiser. Non, on s'en va les steaks de toute façon. Alors, on va vendre. Ça, on n'y vend pas. Ouais, ça, on s'en va les steaks. Ça, on s'en va les steaks. Ça, on s'en va les steaks. On s'en va les steaks. On s'en va les steaks. On s'en bat les steaks, on s'en bat les steaks, on s'en bat les steaks, on s'en bat les steaks. Enfin bon, ainsi de suite quoi, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Non, on va peut-être éviter quand même. On va éviter. Allez, ça, on s'en bat les steaks. Ok, bah voilà, avec ça, on va devoir... Oh, on a 1 million. On a 1 million, les gars, j'ai même pas vu, on a 1 million. Oh, oh, c'est magnifique. C'est magnifiquement beau. On a 1 million de pétasses avec nous, quoi. C'est génial. C'est génialissime. Donc du coup, hop, on monte là-haut. Donc la dernière fois, je vous ai pas montré. Est-ce qu'il y avait là-haut? Bah, je voulais pas vous spoil. Voilà le délire, quoi. Et donc du coup, bah, on va découvrir ça ensemble maintenant. Attention, qu'est-ce qu'il y a après le chargement? Parce que la dernière fois, ça s'est coupé juste là. Et là, attention, qu'est-ce qui se passe? Et bah, y'a Ada. Dans la merde, mais y'a Ada. C'est bizarre d'ailleurs. Ah oui, parce qu'après elle se barre. Puis oh, elle doit faire de la viande, je sais pas ce qu'elle fait. Enfin bon, son steak. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce que tu veux, sale mocheté? Moi, mocheté? Pas du tout. Ok, hop. Oh, nickel, nickel. Ça va? Non, ça va pas, connard. J'ai eu des meilleurs jours. Ils ont oublié de mettre les sous-titres. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Il y a certains sous-titres qu'ils ont oublié de mettre. Ouais, pour le film Hollywood. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Vous me divertissez, ouais. Pour une habitude, je vais vous aider à sortir de vos clichés. Pourquoi pas? T'es super mignon comme ça. Hein. Tu fais un peu peur, mais t'es super mignon. Alors. Ah bah, attends. Il vient de demander à Ada de s'écarter quand même. Hein, c'est limite s'il lui demande de s'écarteler, tu sais. Non, mais bon, c'est un grand malade ce mec. C'est un psychopathe. Hein. Comme t'es pas permis. Oh là 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 là, le lag de ouf quoi. Ok. Ça c'est fait. Ok, ouais, voilà. Ouais. Non, parce que j'étais en train de regarder mon truc là qui me permet de enregistrer des vidéos, il était en train de faire le fou. N'importe quoi. Ah merde, du coup j'ai pas de pistolet pour taper dedans. Oh, 2 secondes gros.
Mais oh, deux secondes! J'ai même pas le temps de réagir, tu m'as foutu des gros frappes dans la gueule. Je peux attendre deux secondes, non? Possible, impatient. Oh là 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 là. Ah, hallucinant, non mais bon. Il y a des fois, franchement. Tchou là là. Allez, vas-y. Viens là, cette connerie. Hop, là tu fais quoi maintenant? Hein? Eh ben, tu te fais exploser la tête, mon p'tit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai peut-être pas d'armes sur moi. Mais en attendant, tu vas te faire exploser la gueule. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Clac! Ça fait mal, hein. Bon, logiquement, en vrai, il aurait fallu en mettre qu'un seul. Bon. Là, l'œil est plutôt résistant, apparemment. Il a beau se prendre des coups de couteau. Il a encore envie. Oh, putain. Allez, génial. Putain, c'est vraiment des ponts de merde, ça. Hein. Allez, allez. Oh là 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 là. Allez, cours. Putain, hallucinant comme il est lent. Il a envie de crever, en fait. Allez, monte, monte, monte. Putain, t'es lent. T'es lent, mon gars. Comment tu vas soigner, hein. C'est le cas de le dire. C'est avec des plantes et tout. Enfin bon, c'était une petite blague comme ça. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut passer, on sait jamais. Mais bah voilà, nickel. C'est pour ça que je vais garder un max de grenades. Pour faire ça. Eh ouais, non mais attends, tu vois. Intelligence, intelligence. Mais si. Mais si, je t'assure. C'est de la pure intelligence, attends. Je pense à tout. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut garder un maximum de grenades. Ça au moins, hop, on peut battre le boss plus facilement. Bon, après, on peut toujours acheter le lance-mine, c'est sûr. Non, mais bon, c'est bien aussi avec les grenades. Bon, le lance-mine, il coûte pas très cher, effectivement. Voilà, quoi. J'ai pas envie de me trabaner à lance-mine. J'ai pas assez de place comme ça. Ok, heureusement que j'ai des plantes, hein, sinon je suis dans la merde. Allez, allez, allez. Tu vas crever, mon pâteille. Ok, allez-y, coupe-lui la gueule là. Oh, c'est bon. C'est magnifique. Ok, ferme ta bouche, mon pays. Ça fait mal, hein. Si, 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 ça fait mal. Non, t'as rien à dire, ça fait mal. Tais-toi, tais-toi. Allez, regarde. Allez, encore un coup de couteau. Mais t'as vu, mais j'enchaîne, mec, j'enchaîne. Oui, il pense à tout ça. Oh, je l'enchaîne, merde. Allez. Encore une grenade, t'as vu, encore une grenade. Le mec, mais il a même pas le temps de me faire quoi que ce soit, tu vois le délire, putain. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, bim, encore un coup de couteau, mais non. Le mec, là, il est dans la merde. Ah, clairement. Alors, par contre, un truc que je savais pas, que j'ai appris il y a pas longtemps. Si vous avez... Putain, déjà. Mais c'est magnifique, on va pouvoir le finir sans utiliser ce violence requête, dis donc. C'est trop bon. Alors, juste, tu l'as mis... juste à l'endroit où il est là, et on va. T'as mis le lance-roquette là où il est le monstre, donc du coup c'est un peu con. Hein. J'aurais pu le lancer ailleurs. Parce que je suis dans la merde. Et qu'est-ce que je récupère? Ouais, je récupère. Nickel. Ok, alors du coup, vous voyez là, il y a des petits yeux là sur ses pattes. Et ben en fait, en tirant sur ses yeux, il y a un bout d'un moment, si vous lui faites assez de dégâts, et ben ça fait ça justement. Comme si vous lui avez mis un explosif. Alors que juste vous tirez des balles quoi. Donc en tirant des balles c'est possible de le battre. Donc moi je savais même pas. J'ai découvert ça il y a pas longtemps en tirant sur les yeux et tout machin. Et hop j'ai vu que ça l'affaiblissait aussi. Et qu'on pouvait lui donner un petit côté derrière. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, donc petite astuce hein, si jamais vous avez pas d'explosif et que vous voulez le tuer avec des armes. Genre sniper, pistolet, fusil à pompe, mitrailleur. Enfin bon tout le bordel quoi. Alors juste hop on va faire ça. Va falloir quand même essayer d'aller prendre la grenade derrière et d'activer le piège aussi, pourquoi pas. Tant qu'on y est, tu vois, ça peut être pas mal. Hein? Non, non, mais si, ça peut être pas mal. Ok, allez, c'est parti, alors juste. Calme-toi. Allez, hop, on va vers la gauche. Ok, nickel. C'est bon, ça. Il risque de nous niquer vite fait, bien fait, mais c'est bon quand même. Ok, c'est bon, tu nous as rien fait? Vas-y, avance, avance. Pas trop vite non plus. Commence pas à sauter non plus aussi. On est dans la merde. Ok, bah c'est nickel, déjà. Oh. Et il m'a touché quand même. Et il m'a touché. C'est vraiment d'une méchanceté. Oh, hallucinant. Regarde-toi, hop, tu vas te calmer. Si. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va. Ouais, on va allumer ça là. Après on va activer ça. Ok alors. Qu'est-ce que ça donne? Bah vas-y active gros.
Ça doit faire mal. Ça lui a même pas cassé les pattes, quand même. C'est fort, quand même. En vrai, là, le mec, sa patte, piou, elle voltige, je sais pas où. Hein. Donc, vous voyez, il est plutôt simple à battre, franchement. Hein. Quelques grenades et boum, il est mort, le mec. C'est plutôt easy, quoi. Franchement, sympathique. Oh, déjà, mais t'es sérieux. Mais c'est magnifique. Vous avez vu ça un peu? Il suffit de deux pièges et... J'avais 12 grenades, je crois, donc 13 avec celles que j'ai ramassées. Ah, il suffit de 6 plus 3, ça fait 7. Il suffit de 7 grenades et 2 pièges pour le niquer. Enfin, environ, après je sais pas exactement. Je m'en rappelle plus trop, mais ça doit être un truc comme ça, quoi. Alors, désolé, donne-moi ça, et ouais. Parce que ça te sert à rien, toi. Ah, toi, tu sais ce que c'est? Bah oui, je sais ce que c'est, je sais pas, gogol, sinon je le prendrais pas, t'es compte. Ah, elle a rien dit, d'accord. Bon, bah elle a rien dit. Ok, petit plongeau au KLM, tranquille. Hop, alors, bizarrement, elle s'est pas fait broyer par les hélices. Bon, c'est un coup de chance, hein. Elle est passée entre deux hélices, la puissance totale. Ok, alors, il faut que j'y aille à ta place, je quitterai aussi cette île. Bah, aide-nous alors, dans ce cas. Allez, aide-nous, là, il reste que 3 minutes. Ah là, merci, sympathique, connasse. Quoi, j'ai dit connasse? Mais non, pas du tout. Alors, bon, maintenant on peut se barrer, voilà, donc ça va être la fin du chapitre, enfin même la fin du jeu, carrément, je vous laisserai les, charmant, ouais, carrément, je vous laisserai les, la fin du jeu, quoi, enfin, le, comment ça s'appelle, vous savez, le truc, là, là où il y a tous les connards, là, qui ont fait le jeu, qui, non, mais les, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, bon, le truc de fin, quoi, générique, ou je sais pas quoi, enfin, sans balestec, alors, vous avez 100 000 pétasses, mais c'est génial, ça, dis donc, alors, voyons, qu'est-ce que ça donne, ça fait... 1 100 000 pétasses. Mais putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, juste ce qu'on va faire, on va vite fait. Hop. Voilà. Hop. Bah, c'est nickel tout ça. Alors, voilà. Bon, on va pas non plus se faire, je sais pas, en 10 ans. Ok, nickel. Donc là, bizarrement, ils sont toujours activés. Hein. Ils se désactivent plus, bizarrement. C'est... Comme ça, d'un coup, ils se désactivent plus. C'est par magie. Ça arrive des fois. Y'a de la magie dans Resident Evil 4. Enfin bon. Du coup. Il lag, mais un truc de fou, si je sais même pas où il fait ça. Il y a des fois, hein, franchement. Tout va sauter, nanana, quoi, nanana. Bastec. Bah, il faut se barrer tout simplement, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Allez, c'est parti. Heureusement qu'elle a parlé à l'armure, hein, parce que sinon, se ferait nickel dos. En mode. J'ai mal. Enfin, il se ferait. Il. Se ferait nickel dos, regarde là, hop, en armure, paf, ça lui pète le dos. Il fait après, il se tient le dos tellement qu'il a mal et tout. Enfin, bon, fait délirer. Ce... Alors, du coup, ah, y a rien, c'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait quelque chose. Alors là, je sais plus quelle manip faut faire pour que Léon soit plus devant que le machin. Là, je sais plus ce que c'est, je sais plus quelle manip faut faire, mais il y a une manip où en gros, après. Léon atterrit, enfin en gros au lieu d'être devant, enfin au lieu d'être au niveau du jetpack, il est devant et tout, enfin bon, un petit délire de bug de merde, mais je sais plus comment on fait. Donc je peux pas vous le montrer, je crois qu'il faut le strike aussi, un truc dans le genre. Enfin bon, voilà, c'était tout pour l'instant bug. Ok, donc du coup, et eh ben là c'est la fin. Voilà, donc ça aura pas duré longtemps, une quinzaine de minutes, donc relativement, enfin une quinzaine. Environ quoi. Plus le générique ou je sais plus quoi là, enfin le truc de fin. Donc vraiment pas très longtemps. Et voilà, donc un petit épisode de fin, c'est toujours sympathique, ça passe bien. Puis après on va faire du professionnel, là par contre ça va être un peu plus chiant. Je vais devoir faire du montage aussi un peu, ça va me prendre un peu plus de temps. Mais bon, c'est pas grave, on va tenir. Hein. 3 vidéos par jour, c'est difficile, mais on tient. Parce que je sais pas, moi j'aime bien faire 3 vidéos par jour. Tu vois le délire ou pas. Ok, bah voilà, nickel, voilà, on a fini le jeu. Bah voilà, là c'est la fin. Petit arc-en-ciel, tranquillou, histoire de finir sur un truc plutôt joyeux. Voilà, donc là bon, Ashley qui meurt, je vous spoil un peu. Connasse, t'aurais pu attendre 2 secondes quand même que je finisse ma phrase. Non mais bon. Voilà, après je dis ça, genre. Non, je voulais faire un petit délire, genre ouais, elle meurt et tout. pas du tout. Ok, alors excellente idée, mission accomplie, hein, Léon, nanana, on s'en respecte. Ok, donc pas tout à fait, je dois ramener chez toi.
Ouais, je dois te ramener chez toi maintenant, sans bastec. Quand tu auras ramené à la maison, on pourra faire quelques heures supplémentaires. Heures supplémentaires de quoi? Mais, Econ, ou... T'as même pas des cils qu'il y a là-haut, c'est quoi ça? C'est des plumes. Était, enfin, je sais pas quoi, pourquoi. Oh, allez, dis-le-moi. C'est une partie de moi que... Oh, restons-en là. Tout à fait, je m'en vais. En fait, c'est, tu sais pourquoi il dit que c'est une partie de lui? C'est parce qu'il l'a chié, en fait. Ouais. Non, mais bon, je tiens à vous le dire quand même, pour ceux qui savent pas. Voilà, donc... C'est pas vrai. Hein. Ouais, non, mais on sait jamais, des fois... Ah bon, c'est vrai? Oh, bah, je savais pas. Pourtant, je suis un fan, quand c'est possible. Voilà, donc là, c'est la fin. Donc, Et donc, c'est la merde. C'est écrit en anglais, je crois. Hein. Codeur. Ouais, mais non, c'est écrit pas comme ça en anglais, si. Ouais, c'est... ah, si, ouais. Si, c'est écrit en anglais. C'est écrit en anglais. Bon, alors, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Ça a pas été très long, effectivement. Mais c'est pas très grave. Bah, non. Qu'on revient en force avec du professionnel. Bah, ouais. T'as cru quoi, toi? Trop d'art. Non, c'est la merde, franchement, c'est la merde. Mais on va faire ça, ça va être cool, 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 cool. Et donc, du coup, bah, je vous dis une prochaine vidéo. Bon, on va attendre un peu quand même avant la prochaine vidéo, mais je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va être chiant, le professionnel? Ouais, ça va être extrêmement chiant. Ça va être casse-couille. Je sais même pas comment je vais faire, enfin bon. J'ai l'impression que je vais mourir extrêmement beaucoup. Bah, au début, ça va aller, mais plus on va avancer, je sais pas comment je vais faire. Hein. C'est, ouais, bah, c'est chaud. Ça va être chaud. Ça va être vraiment très très chaud. Et, ouais, je sais pas. Franchement, d'avance, là, je peux pas vous dire comment je vais faire. Je pense que je vais esquiver pas mal de personnes aussi. Hein. Je vais pas tuer tous les zombies non plus. Parce que, bon, voilà, quoi. Ça va être trop dur, sinon je peux pas tuer tous les zombies. Je vais pas faire comme là, en normal, où je tuais tous les zombies, parce que, voilà, c'était... Voilà, on s'éclatait, on machin. Non, là, je vais essayer de, quand même de foncer plutôt bien. Et de tuer juste le minimum. Histoire quand même de... Voilà, pas trop se faire chier, on va dire, voilà. Donc du coup... Alors lui, il a une tête, mon gars. Je vais te niquer, fils de pute. Non, mais enfin bon, il a une tête, c'est violent. Ça fait flipper. Ouais, ah, mais c'est un truc de fou. J'espère que c'est pas très long non plus, Et le mot n'est toujours pas revenu dans ma tête. Hein. Ah, c'est bientôt fini. Générique, putain, mais oh, mais c'est pas un générique, le générique c'est le début, j'en sais rien, c'est quoi ça? Générique de fin. Oh, bah à la limite, générique de fin. Ouais, je crois que ça doit être ça, un générique de fin. Même ça passe bien, ça passe bien. Mais je crois que ça porte un autre nom aussi, mais je sais plus quoi. Oh là là là, aucun souvenir, gros. Ah, seul souvenir que j'ai, c'est quelle vidéo j'ai fait, quelle vidéo je dois faire, quel machin. Comme ça, moi je suis sûr sur le moment, je sais tout ce qu'il faut faire, tu vois ça. Franchement, toute la maison, tu me dis, oh, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu dois faire, bah, je sais pas. Mais sur le moment, je le sais, tu vois. Je sais pas comment, mais sur le moment, magiquement, je le sais ce que je dois faire. Est-ce que, ce qu'il me reste à faire, tout ça. Et, du coup, ça me permet vraiment de toujours tenir, tu vois, j'oublie rien, c'est, ça le fait sur le moment, quoi. En gros, c'est un peu à l'instinct, tu vois le dire. C'est même pas, je me dis, tiens, il faut que je fasse ça, c'est à l'instinct. C'est, ça le fait tout seul, quoi. Je me laisse diriger par mon cerveau. Laisse tomber, je suis en mode pétage du câble cérébralement, je peux plus rien faire. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Et, c'est chaud patate. Comme je le dis tout le temps, heureusement que j'ai la musique, heureusement que j'ai My Little Pony en game, sinon ça le ferait pas. Bon, à la limite, My Little Pony, tu peux mettre de côté, y'a pas de soucis, mais la musique, tu me la laisses, putain. C'est la mienne, gars. Je pourrais pas tenir sans la musique, c'est un truc de fou. Ok, là. Or, ce matin... Voilà, j'ai un petit truc à vous raconter. Je pense que pas beaucoup de monde aura vu cet endroit-là, mais bon, malgré tout, je le dis quand même. Ce matin, il y a un mec, donc sur ma chaîne principale, sur Succès 300 Co, il y a un mec qui me demande de l'aider pour un succès. Enfin, ce matin, non, pas ce matin, hier soir, donc vers les minuit et tout ça. Et le mec, il me demande de l'aider pour un succès et tout sur Black Ops 3. Et le mec, alors il me dit, ouais... pour 7 heures et tout, est-ce que tu pourrais m'aider, machin et tout ça. Et donc le gars, tu sais, bon, il était minuit et quelques, machin et tout ça, donc j'ai vu genre une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes après, j'ai vu son message. Et du coup, je dis, ah tiens, bah, je vais lui répondre tout ça, et je vais dire 7 heures du matin, enfin tu vois, genre en mode, enfin est-ce que c'est 7 heures du matin ou autre chose, je sais plus comment je l'ai dit et tout ça.
Et tu sais, genre en mode étonné, putain, t'es malade toi. 7h du matin et tout, j'ai pas envie de me lever à 7h du matin. Et donc du coup, bah après je lui ai écrit, bon, je me lève à 7h du matin. Et je m'étais couché à 1h30, 2h je crois. 1h30 je crois. Ouais non, 1h du matin. Je m'étais couché à 1h du matin, le temps de m'endormir, tout ça, voilà. Mais ouais, je m'étais couché à 1h du matin. Et je me lève à 7h, donc là tout à l'heure je me suis levé à 7h du matin. Puis après, donc du coup, bah, entre temps, il m'a répondu qu'est-ce que c'était son gamer tag, tout ça. Et puis en fait, il m'a répondu qu'il voulait le faire là maintenant. Tu vois, enfin, gros, dans son message, justement, il était 1h du matin, tu vois. Je me dis, mais pourquoi il me dit à 7h s'il pensait de là, dans les heures qui suivaient, c'est bizarre, toi, c'était bizarre, tu vois. Enfin, là, maintenant, sur le moment. Et en fait, le mec, donc je vais sur la 300, hop, je l'ajoute. Donc je l'ajoute, ouais non je vais pas vous montrer mais je l'ajoute, bah, de toute façon je peux même pas parce que je suis en train de mettre une vidéo en ligne du coup c'est la merde. Donc du coup je l'ajoute tout ça, qu'est-ce que je me rends compte pas que le mec c'est un Québécois, un Canadien je veux dire. Le mec il a 6 heures de moins que moi tu vois. Donc moi, chez moi quand il est 1h du mat, chez lui il est 7h. Et donc en fait il voulait le faire à 7h du soir, seulement chez moi bah il était minuit et demi tu vois. Et enfin je pouvais pas tu vois, c'est tombé quoi, c'était pas possible. Et je pensais que c'était à 7h du matin, du coup ce matin je me suis levé à 7h du matin. On va dire pour rien, bon au moins ça m'a permis quand même de faire un peu le début de mes vidéos, tout ça, de mettre des vidéos en ligne, tout ça, donc là, tranquille, tu vois. Mais bon, malgré tout, quoi, je me suis levé à 7h du matin, gros. Je me suis couché, c'était 1h30, je me suis levé à 7h, c'est tombé, c'est chaud patate. Derrière, t'es obligé d'avoir de la musique pour un peu puncher et tout, là, ta 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 ta. Enfin bon, tu vois le délire, quoi. Plus il y a de vibrations, plus... voilà, quoi. Alors, impossible de se connecter à Xbox Live, nanana. Du coup j'ai fait traîner un peu la vidéo, je m'en bats les steaks, je fais ce que je veux, je raconte ma vie si j'ai envie, ok hein. Alors vous pouvez désormais acheter le lance-roquette infini et le Maltilda, c'est parti. Sauvegarder, bah. Eh ouais, je vais sauvegarder, t'es con quoi. Ok, nickel, bah je vais sauvegarder là-dessus. Ah mais non, sauvegarder là-dessus. Voilà, nickel. Donc ça c'est fait. En 11h25, on a mis 11h25 pour finir tout ça. En vrai, on a mis un peu plus parce qu'il y a eu les morts, il y a eu les machins, les tout, les pas, tout, 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 enfin bon, voilà, mais malgré tout, dans les environs, on a mis à peu près ça. Ouais, ça, je m'en bats les steaks. Voilà, donc la prochaine fois, bah voilà, petit trailer à la limite. Non, mais on est des fous, tu vois. Petit trailer qui dure genre 2-3 minutes, enfin, 1 ou 2 minutes. Hop, on commence en professionnel. Tu peux pas être téléchargé avec classement, nan, nan. Ok. Ouais, alors par contre. Ah, il n'y a pas plus. C'est soit normal, soit spécial. Ah oui, il n'y en a pas plus. Ok, d'accord. Je pensais qu'en allant dans spécial, il y aurait le 1, le 2, le 3. Mais non, je ne les ai pas. Et bon, c'est pas grave. Bon, vous savez quoi, on s'en fout, on est en professionnel. Là, maintenant, c'est pas où on monte l'histoire, c'est là où on met du taquet, on fonce, quoi. Ok, hop. Putain, j'ai failli l'avoir, l'autre. Oh. Ok, c'est bon, j'ai eu le bijou, donc ça me passe. Ça passe... Ouais, bon, on va pas sauvegarder, hein, parce que j'ai utilisé le pistolet comme un con, mais c'est pas très grave, on va pas sauvegarder, voilà, mais bon. Alors, ouais, toi, on s'en bat les steaks. Allez, ferme ta bouche, toi. Non, mais bon, attends, il va pas commencer à me saouler direct dès le début, comme ça. Ça va pas le faire, ça. Non, attends, hop, fais pas chier. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, vite fait, quoi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as sur toi? Sans balle steak de toi, gros. Sans balle steak aussi. Ok, on prend les balles de pistolet, c'est magnifique. Là, on prend les autres balles. Non, il n'y a pas de balles ici? Quoi? Attends, il a dit quoi? Là, on dirait qu'ils ont tué beaucoup de monde. Ah, d'accord, il parle de l'autre, là. Putain, j'ai eu peur. Je dis, merde, mais qu'est-ce que tu veux que ça aille bien, les crânes et tout? Enfin, je croyais qu'il parlait des crânes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est tombé, quoi. Je dis, oula, il est un peu zarbi, le mec. Ok, j'ai combien de balles? 40 balles, magnifique. Tu vois, il va falloir quand même garder beaucoup de balles de pistolet, ça va vraiment être notre atout dans le jeu. Voilà. Donc je vous montre un peu au début comment ça va se passer. Putain, il a réussi à m'avoir là. Tu vois, ça par contre, ça passe pas. Tu vois, le mec m'a touché, ça passe vraiment, vraiment pas. Et c'est un peu con. C'est limite, si tu recommences, ça peut être pas mal. Mais bon, on va pas recommencer juste pour ça. Vas-y, gros là, oh. Ah, mais il est mort. D'accord, le mec est mort quoi. Magnifique. Ok, alors toi, casse-toi, s'il te plaît, merci. Ah, c'est bon, t'es mort. Nickel. Bon, bah voilà, vous voyez, on commence bien déjà. Voilà, c'est juste voilà, un petit délire comme ça. Ok, ok. Voilà, hop, on prend ça.
Hop, on prend ça, voilà, donc là vraiment, va falloir vraiment économiser tout ce qui est balles et argent aussi, pour acheter de meilleurs pistolets, tout ça, enfin bon, ainsi de suite. Ok, hop, toi, tu fais pas chier. Toi, je t'aide, parce que je suis gentil. Eh non, je suis gentil, mais j'avais envie, comme ça. quelle bonté. Non, mais on s'en va steak. Voilà, donc du coup, et ben, voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé. Moi, je vous dis au prochain épisode pour justement faire ça. Je ferai des coupures dès que je mourrai et qu'il faudra que je revienne. Enfin, petit à petit, on avancera, quoi. En fait, ça fera tout un épisode, mais avec des coupures si jamais je meurs. Et puis voilà. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine. Putain, toujours pas mort, le mec. Il est résistant, le gars. Attention, the best, le mec. Et voilà. Donc, du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. Je vous dis ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao.